c'est qui martyrise un pauvre? C'est moi. Que là, en gros, je suis en train de tester mon aura de feu. Avec mon, bâton, avec mon bâton légendaire, mon arc légendaire et mon armure légendaire. Ah, ça va? Ça va, ça va. Ah ouais, vous? Bon, par contre, enfin... là, je récupérerai plus autant d'âmes qu'au début. Donc, ça va être un peu compliqué. Je vais, pour le... je vais mettre un cadeau d'un arc légendaire qui ne m'intéresse pas. Mais non, sinon, après, il y a qui je vais dire c'est trop facile. Encore une mission et on a deuxième emplacement du. Du forgeron de débloquer. Ah, mais il faut remettre les enchantements, c'est vrai. Alors. Des enchantements. Vous pouvez créer des aliments, je m'en fous. Ou vous pouvez faire des dégâts. Des dégâts, bien sûr. Qui veut un arc puissance 34 et une épée puissance 34? Je veux bien l'arc. Putain, mais j'ai pas fait semblant de saigner. Enfoiré. Est-ce que j'ai assez de te. Allez, ah, Ralga, je t'envoie un arc aussi au passage, tu feras le choix. J'ai pas assez pour te le filer, Ralga. Désolé pour l'éternuement. Bon, t'as éternué? Oui. Oui, il a fait. Non, il a fait. Merci pour l'arc légendaire. Désolé, mais je pourrais pas te le filer le mien, de toute façon. J'ai pas assez. La plume, ça c'est quoi ça? 33 de l'amulette, et mon amulette est à 27. Ouh, je vais peut-être l'acheter. Oui, je l'achète. Je pense qu'on n'aura pas le temps de finir Pourquoi l'épisode de Noël. Il est déjà 5h30. De Noël. De Noël. De Noël. De Noël. D'Halloween. Oui, c'est Maria Carey. Comme dit Adjek, Maria Carey, elle a dit que c'était Noël, donc c'est Noël. Mais on ne s'était pas forcément donné. Alors, clairement, on va pas stream jusqu'à 20h, mais on s'était pas donné d'horaire. Ah. Je pensais. Bon, après, voilà, faut pas non plus. Je finis de regarder les deux marchands là. Je suis tenté de parachever une caisse quand même. Vous dormez une arme de mêlée? Ah ouais, non, c'est là. C'est du cas. J'aime beaucoup comment t'as chargé la flèche et d'un coup. Bang. Oh, rage intense et ricochet. Ah oui, le retour du Diong. Mais par contre, rage intense. Est-ce que ça... Faut que je teste sur un ennemi parce que je pense que je buff l'ennemi en fait. Non, rage intense, tu le buff pas, c'est qu'il devient... Enfin si, tu le buff un peu, mais il devient ennemi même pour ses propres alliés. Ah, bah c'est bien ça. Parce que j'ai race intense, rage intense... rage intense, ricochet et infinité. Putain, t'as un arc avec 3 enchantements, mais j'ai jamais dépassé ça moi. En fait non, mon arc, je n'ai que un enchantement qui est infinité, mais dessus comme c'est un unique, j'ai le ricochet et le rage intense dessus. C'est incroyable, mais moi aussi je veux ça. Je serais fait. Bon. C'est merci. Bon. Allons tuer le boss. Ah, et en plus, c'est le dernier mode difficile qu'on peut lancer. C'est incroyable. C'est le premier d'obsidienne, c'est ça? Oui. Qui c'est qui a pas lu encore? Eric? Je tout crois, à fait. Oui. Ok, je me réveille. Ouf. En plus, pour 2 phrases, faut tout donner. Ah, vas-y. L'œil de la tempête, il est temps de mettre un terme au règne de tes terreurs de l'archilageois. Nous avons coincé le petit tyran au sommet de la plus haute tour de son château, il ne peut plus fuir. Voilà. D'accord. Et tout. Je vous laisse. Qui vient de se suicider sur son bureau. Non, c'est mon téléphone qui a failli tomber. Oh là. Ça fait peur. Mmh.
Assoyez-vous, Cricket. Il y a Kipon, il va bien aimer ce niveau. Je suis encore en charge. Mais il n'a pas pu aller bien. Faites vite et atteignez la tour la plus haute. Ils se battent tous entre eux. Attendez, je suis en chargement encore. J'étais en chargement aussi. Je regardais la vidéo. T'entends pas les dundwing, Jack? Oui, mais j'entends plus la voix de la madame. Nice. Oui, Yaki. Oui, Yaki, tout à fait. Je suis là. Il y a de la lave et tout. Oui, je suis tombé dedans. Ah, on peut. Parce que dans Minecraft, pour faire de l'obsidienne, il faut de l'eau et de la lave. Ah bon? Ah, je savais pas. J'ai pas du tout joué à Minecraft avant. Ah, voilà. Donc en fait, c'est le sommet d'obsidienne. Alors attention, ah, allez, sur la... allez sur la plaque et pouf. Ah, ça m'a fait. C'est pour ça que je dis que Yaki va aimer. J'aime les pistons. Mourez! Merde! Il non, non! 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 Qui c'est qui a lancé la TNT? Je me suis tellement trompé, quoi, genre mourir. Ah mais je suis c'est Yaki, s'est suicidé lui-même. C'est pas vrai. Alors, se suicider lui-même, c'est... Prouver. Tout c'est, à c'est fait, le... tout à fait, monsieur Ralga. C'est le principe du suicide. Alors, on peut aller... En haut. En bas. À gauche, à droite. En arrière. À droite. À droite. Ces soirées là, on drague, on branche, toi-même tu sais pourquoi. Bah ouais. Fais gaffe, la vidéo de Twitch elle va encore être bloquée. Ah, le son il va être coupé. Oula. Bah non, on change. Il y a une TNT là. Ah, c'est moi qui l'ai, je pense, j'ai pas vu. Barrez-vous. C'était le pire lancé du monde. J'en non, plus. Mais bah non, regarde, ils sont tous morts. Ouais, mais moi aussi, tout à l'heure il a fait un truc. Attends, je vais même par là. Tu fais vachement bien par contre, c'est... Ouais. Tout ça pour c'est ça. C'est criant de réalisme. J'ai demandé à tout ça pour un pot. Pour faire des doublages de PNJ dans même temps. Oh putain, ma vie de... Ce serait trop cool d'être comédien de doublage. Ouais. Malheureusement, pour être comédien de doublage, il faut faire de la comédie. Voilà, faut être comédien. C'est ça. Comédien professionnel. La comédie, je vais jouer la comédie. Il y a quelques années, du mot que je voulais quelques années, ça remonte à... 4 ans, j'avais vu une offre d'emploi pour faire de la voix off de documentaire sur un studio d'enregistrement sur Balma. Ça aurait été trop cool. Mais j'ai postulé. Oh non, pourquoi j'y suis allé? Pourquoi on n'a pas tiré? Et je suis allé jusqu'à l'entretien quand même. Putain, c'est trop bien. Alors on peut utiliser nos artefacts en même temps que les pistons. D'accord, mais c'est quel piston qu'il faut... D'accord. Mais il est trop bien ce niveau en fait. Il est cool. Ah, avec la musique épique là. Ouais. Putain, les mobs, c'est ils sont déjà quasi... que je prendrai l'avantage. Les petits changements de enfin, via les pistons, ça me fait penser un peu à... au changement d'un Rayman Legends. Oui. Oh. Ouh. Je suis Yann Barthès. Ah oui, il y a ça aussi, mais là, c'est plus les petits êtres. Oh là. Oui. Oui. En fait, c'est toi qui as atterri en premier, on a atterri sur toi, c'est ça? Je sais pas. Mais c'était drôle. Comment va ta colonne vertébrale? Mieux que la tienne, chè. Oh putain. Oh, j'ai pas osé, mais... Il faut oser. Oser José. Oser José. C'est pas grave, moustache, on va quand même te défoncer la gueule. Je vais mourir. Mais non, mais non. Mais c'est... Bah non. Oh putain, c'était pas loin. Utilise ta potion. Elle est en CD. Ah. Il reste encore. Moi je préfère les lecteurs cassettes. Ah, c'est trop drôle. Merde, je suis bloqué. Mais allez, chèvre Dragon. Est-ce que tu ne préfères pas une cassette 8 pistes? Bon allez, je vais aller le tuer parce que personne ne veut le faire. Ah merde, il y avait un mob encore. C'était le cachet. Le bruit en plus.
C'est trop grand, grand. Activez les balises. Les balises RTL. Exactement. La fameuse. Je pars à gauche. Ah bah y'a à droite. Je pars à droite avec Draken. Je le savais que vous étiez bizarre. Balise de gauche, ok. Ok, reçu. Roger. 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 Charlie Tango, on a un petit souci. J'ai rien dit. C'est moi qui fais le poison. Ah oui. Oui. Ah, tu fais des. C'est pas ce que j'ai mangé. Tu fais des P qui sont. C'est le cassoulet ça. Bien joué. TNT, TNT, TNT. Je sais pas qui a lancé, mais j'ai failli me la prendre. Ah, mais ah, là, Jack, il y avait personne avec moi. Bah, je l'ai foncé dedans. Bah, voilà. Tu es suicidaire, Jack. Toi, te soigner. Moi, je suis tranquille, genre pif, pouf, paf. Y'a quoi là-bas? Un pot. Un pot. Y'a une porte. Elle ne s'ouvre pas. Non, elle s'ouvre pas, non. Il va falloir qu'il fasse des travaux quand même dans son château, parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs cassés, là. Oh, ça suffit, les travaux, là. C'est parce qu'on a cassé le buffet, c'est pour ça. Trop lad. Il a tout mis l'argent dans le buffet. Rassurez-moi, le poison n'est pas anti-rami. Non, non. Sinon, je serais mort depuis 8 ans et demi. Il est que en tyrannie. Et je continue de faire zwing zwing avec mes flèches. Zoom zoom zoom. Zoom zoom zen. Moi zoom zoom zen. Non, t'as de la. Tout ça pour un pot. Oui, je sais que ça va être ça encore. C'est pas un pot. Oh, une clé mort. Ah, armure meilleure que la mienne. Un pot. Mais du coup, vu qu'on ramasse plein d'argent comme ça, oui. c'est les impôts sur la fortune. Non, Jack, non. Voilà. Pas comme ça, Jack. Pas comme ça, Zinedine. Pas maintenant. Pas après tout ce que tu as fait. Tu peux te TP sur nous, regarde. Oh là, il y a un golem. Je les stun, putain. Avec son laser depuis tout à l'heure. Ça lui envoie rien du tout. Je vais faire pareil. Ah mais non, non, faut pas faire le laser, non. Ah bah j'ai plus d'âme, là. Ah, bah... Je me souviens où on est. Il était dur, ce boss. Autour de nous, là. Des bombes. Voilà. Donc là, voilà l'obsidienne, du coup. Mais voilà en bas. On va aller en bas avec Jacques. Encore ça, comment, vu comment le premier était dur. Les stun, il sait pas où taper. C'est là, je lui fais 11 de dégâts. Jacques, il le t-bag, notamment. Tourne autour. Ah, oh, mince. J'ai de la TNT.
Oh mince, une tache de fraise molle sur ma cravate LED. TNT. Dans le ciel, le TNT. Attention en dessous. Il a tué les villageois du premier niveau, quoi. Meurs. On va retourner au camp, on va avoir une grosse explosion. C'était incroyable. Alors par contre, par contre, c'est très chiant, les golems, ils donnent pas plus d'âme. Non. Oui. Ils donnent que des soucis. TNT. Et de la TNT. Oh non. Et... Ça donne de l'XP ou pas en plus les golems? Moi bon, je pense. Ça fait mal aux doigts là d'appuyer sur le même bouton. Mais tu laisses enfoncer. Bah oui justement. Donc ça fait mal aux doigts d'avoir... Jake tu vas où? Jake il s'en fout. Jake il s'en bat les steaks. Tu m'étonnes que ça soit long, il nous aide même pas. En plus c'est lui qui fait le plus de dégâts avec son poison. Mais c'est... j'en pose un poison moi depuis tout à l'heure. Oui mais non mais ça fait double dégâts avec vous. Coffre en bas. Aïe. Oh. Il y avait un coffre en bas, Ralga. Arbalète lourde. Ah, ça. J'ai oublié un item d'ailleurs. T'es ce beaucoup. Oh, j'ai l'armure de Wither. C'est pas Witcher, c'est Wither. Le Wither. Je regarde de suite ce que c'est. J'ai l'armure de Wither. Elle est très, très ah ouais. Je la quitte plus depuis. C'est ma meilleure amie. Ah, Elle sera là, toujours pour moi. Prête bah, à me défendre des assauts du archi-lageois. Bon bah j'ai viré mon arbalète légendaire. D'accord. Elle sera toujours la même, un peu beau, prête à perdre les foulies. Ah, moi en fait j'hésite entre garder mon arc qui frappe plusieurs fois. Ou une arbalète lourde qui fait 199 de dégâts, mais en fait qui est full puissance. Mais qui tire pas vite et qui a pas beaucoup de munitions. Je sais pas où vous êtes. TP, toi, sur moi. C'est en cours, c'est en cours. Il y a équipant à continuer sans nous. C'est pas vrai, je me suis juste mis à porter. Voilà. J'hallucine. Attends. On y retourne après, Jack, t'inquiète pas, on va y aller, je pense. Je sais ce que tu veux tenter. Je veux tenter de balancer la... Ah bah, yes. Un golem. C'est bon, c'est clean. Enfin, presque. Presque. Ah bah oui. Ah, je n'ai plus de flèches. Aïe, ouh. Ah, ceci, je dirais, à l'aide. Il est sur moi, j'essaie de l'écarter, allez-y. Ah, merci. Compliqué de raise en ayant un gros truc qui tape dessus. Putain. Je raise. Il m'atomise celui-là, par contre. Oh ouais, là, pas mal. Hein. Il est vénère. Hein. Je suis décédé. Aïe. Il est mort. Attention, Jake. Encore. Jake, ça va être l'artificier du cochon jeu. Reviens, petit cochon. J'ai eu du blé merveilleux. D'accord. Ah, tu vas faire spawn à la main. Car le blé. Tu vas faire spawn à la main. C'est merveilleux. Oh, il y a un piano. Est-ce que je peux jouer du piano debout? Non. Dommage. Donc faut garder les âmes, tu disais, Draka. Vaut mieux, oui. Guillaume. Si tu as les lasers, Guillaume. Garde les âmes. Oui. L'âme. Il est trop cool. Il est trop cool. Il devrait être mort. Ouais, c'est dingue. Il crache sur les gens, regarde. Ouais, mais quand Lama pas content, Lama a toujours faire un. Ton Lama il est bloqué, Jack, invoque-le. Ou Yaki plutôt. Je sais, mais bon.
Oula. J'ai un peu d'autres choses à faire là. Putain, mais c'est pas possible. Oh non, mon lama il est mort. Oh, mais t'es je prends trop cher. On prend tous trop cher. Non, c'est pas vrai, vous ouais. Mourrez pas. On est au niveau maximum. Hein. C'est vrai? Oui, on est à la difficulté maximum. La dernière du... jusqu'à notre level. Gain de niveau. Ah ouais, on les roule dessus là. Ah mais il y a lui là qui fait qui emmerde le peuple. Meurs. Ah. Meurs pour être communiste. Oui, je suis mort. Ah mais aussi. Oulala, oulala. Vous êtes tous morts? Oui. Oui. Tous au même endroit. Pardon. Stay in the night. Stay in the night. Merci. Je peux pas encore vous raid, j'ai... Hop. C'est bon tout le monde. Y'a rien. Tout le monde il est beau. Tout le monde il est gentil. Y a une... La salle là-bas, on l'a pas fini. Si si. Sur ma carte, non. Y'a un truc derrière. Regardez la main. Ouais mais je sais pas comment on y entre. Attends. Un piston, un levier. T'es en haut, on peut monter. T'as pas une TNT sous la main? Non. Non, il doit avoir un. T'as avoir une sorte de mécanisme. Et si je le crochetais avec ma chemise? Pas du tout. Ouais, je ne l'ai pas non plus. Mais Kaamelott, quand Perceval et Caradoc ils veulent crocheter une porte et l'autre. Oui, mais dit ça, oui, Car... mais je parlais de. La Caradoc il dit je vais crocheter non, avec mais... la chemise. Oui, oui. Ça, on a compris. Ce bah, qu'on n'a pas compris, c'est comment ouvrir. Bah, on va chercher. Alors. De toute façon, une heure à chercher comment faire alors que je suis sûr que faut appuyer sur un bouton. Faut pas jouer du piano. C'est pas ici, ça m'étonnerait. Do, do, do. L'enfant do? Ouais. Rien là. Peut-être qu'on a softlock le jeu. J'essaie de taper sur un peu tout ce que je trouve, mais. Les espèces de torches sur les murs, j'ai essayé de cliquer aussi, ça n'a pas fonctionné. Après, j'ai l'impression que c'est un niveau bonus ou un truc du genre. Ouais, je pense aussi. Parce qu'on a la porte pour la suite. Ouais. C'est chelou quand même. Bon. Ça m'étonnerait que ce soit si loin quand même. Ah, je peux me TP sur deux personnes en même temps. Qui va-t-il choisir? Ah, pas Ralgur. Alors j'en profite le temps que vous arriviez. Enchantement. Quoi? Enchantement. Bah ils sont déjà là. Ah ouais, faut vraiment que je change mon arme. Pourquoi elle annule ton arme? Je passe à l'épée. Bravo! 78. 197 tir puissant. Pim pam poum. Pim pam poum. Ça, 166. Ça, on recycle. 191, 199, on recycle. Hop là, l'épée. Mais j'ai pas grand choix. Chance, l'enchaînement ou bien étourdissement. Étourdissement, c'est bien. Ok, c'est parti. C'est bon pour moi. Ah, mais go. Draken, il a fini le jeu là. Non. Je vous attendais.
C'est pas comme ça qu'on utilise une épée, mon petit personnage. Asperluette. Ah oui, je sens mieux les dégâts là déjà. On sent bien le fruit. Ouais. Pourquoi ils essayent de faire un bûcher, y'a Jeanne ? Il y a un coffre sur moi. Hache majestueuse. Qu'est-ce qui est ? Oh, oh oui. Je vais vite. Aura de feu. Oh non. Je suis contre les amis déjà blessés. Obscur. Pourquoi il m'aime pas? Qu'est-ce que je lui fais lui? Ah, aïe aïe aïe. Ah ouais, je lui fais du 200 de dégâts. C'est bien ça. Aïe. Oh bah il a le feu. Qui a appuyé sur un interrupteur? Pas moi. Pas moi. J'ai entendu le bruit, mais je crois que c'est le bruit des pistons. Je suis pas sûr. Non, c'est le bruit des pistons. Hein. Non. Si. Si. Regarde, c'est les mobs derrière. Ah oui, qui... là-bas. Et les pistons, ils s'amusent. C'est vrai, c'est vrai. Et puis ça serait rigolo qu'eux aussi peuvent être envoyés sur les... Oh là. Oh là. Oh là. Merde. Toujours du ménage. J'ai succombé. Pas longtemps apparemment. Oula. Petit barbecue avec ça. C'est en haut. C'est grand ce niveau. Je vais enchanter une arme. Ok. Un poussée puissante. Ah d'accord, quand je fais une roulade, ça me... C'était un feu d'artifice, dit la voix. Ah, je peux booster mes dégâts à chaque fois que je fais une roulade. J'ai un problème. J'ai trop de points d'enchantement et j'ai plus assez d'emplacement. Oh. Ah. Tant pis. Nous, pendant ce temps-là, on est en train de se battre contre toute une armée. Ah, je tourne le manivelle. Mais. Ok, je me TP sur Yakipon et je meurs. Voilà. Mais faut jamais se TP sur moi. Je suis toujours dans la PLS.
Yay. Il n'y avait rien. Tu sais qu'il y avait... Tu veux nous rejoindre? Il n'y a rien du tout. Vas-y, Jacques. Oula. Attends donc, Jacques, s'il vous plaît. Il y a encore des trucs qui boostent là-haut, là. Ça devient pénible. En fait, surtout que c'est... Il se fait booster, mais il y a des gars doublés. Ah, oh, punaise. Ah, t'es au marrant. Où Ah, là-bas. Et merci. Bon là, force de monter. Donc là, là, mes amis, oui. J'ai la droite. N'importe, mais j'ai la chef. Gauche ou droite? Bah, oh mon dieu, non. Qu'est-ce qui est marqué, Jack? Comment ça, qu'est-ce qui est marqué? Bah, battez l'archilajou. Voilà le boss, mes amis. Pardon, excusez-moi. D'accord, par ici. Il m'a menti, c'était paix. Je suis tombé! Pas trop compliqué le boss. C'est pas possible que ça quand même. Oh. Mais non. Il y a une phase 2. Bah ouais, oui, au moins. Oui, il y a une phase 2. Ah. Voilà l'arche et la joie, chers amis. Et là on va rigoler. Holy shit. Oui, les lames sont mal. Comment qu'on le tape? Je sais pas quoi taper. Bon, c'est très bien. Tu tapes je suis mort. Pareil. tu peux raiser qui hein, tu peux raiser qui? Je sais pas comment. Attention aux têtes. Ah, Yaki, bon, tu es mort. Vas-y, c'est Yaki. Ah non. Putain, oh, mais... si Ralga, t'es tout seul. Attention au laser, Ralga, attention. Ah ouais, mais c'est la phase de Enzot. Alors là en mode difficile, il y a beaucoup plus de têtes que d'habitude. Il faut faire... Mais il faut taper quoi au jeu? Le gros, le gros, taper le gros. Il faut éviter les lasers. Ah super, j'étais à la bourse sur le TP, j'ai atterri dans des flammes. Oh là là, la galère. Ah, c'est le dernier boss aussi. Hein. Allez, attention. Ah oui, c'est bien ça le coup du. Ah yes. Non, je suis mort. Oh dommage. On est tous morts? Non, y'a équipe encore. Ah, y'a équipe. Oh y'a équipe. Y'a le gars. Espace. Allez, il fait mal hein. Oui, un peu. C'est, bon. Un peu. C'est pour ça que je t'avais dit garde les âmes, Ralga. Non, c'est bon, on va le tuer. Mais ça fait longtemps que j'ai plus d'âmes, quoi. Ouais, voilà. En fait, c'est pour ça que j'ai dit les garder, parce que moi, en gros, quand je l'ai fait tout seul, j'ai passé le boss rien qu'avec le gros laser. En mode normal, pas. J'ai un voleur de cœur. Je veux dire, j'ai vidé entièrement ma barre d'âme sur le boss, hein. Tout le monde va bien, c'est bon? Oui, ça va. Ça va. Oh, j'ai du blé. Il me reste 21 PV, mais ça va. Soigne-toi.
Je peux pas, j'ai pas le CD. Et ça, donc c'était la difficulté max. Voilà. Ouais. D'accord. Et encore, c'est là, c'est le mode normal. Attends, Yaki, c'est le mode normal, difficulté max. Il y a encore le mode difficile après. Où là, faudra avoir encore plus de stuff et tout. Donc Raga, bah voilà. Alors, le au fait avec le E accent qui est pas géré, je trouve ça lamentable. Ouais. Nos grands héros nous ont apporté la victoire en anéantissant les forces du mal. Par le pouvoir de l'amitié. Mon dieu. Aïe 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 aïe. Hey. Aïe 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 aïe. Moscou, Moscou. C'est ça. N'aurait été possible. Voilà. Ah, il veut jouer à Tetris. Papa! To be continued. T'es en avance, je crois. Ah non. Non, non. Chargement. Il était bien, ce boss. Voilà, il était compliqué, hein. Non, ça va, il était... Bah, en fait, la première phase, ça va, c'est easy, mais... TNT utilisé, Ralgamaziel, 0. Bah, j'en ai pas porté une seule. Zéro. Bravo. Nouvelle difficulté, aventure. Les ennemis sont difficiles à tuer et font mal. Nouveaux enchantements de l'ennemi. Les récompenses sont meilleures et nouveaux équipements et artefacts disponibles. Voilà. Parce que là on est en facile. Là on est en normal. Oh. Morsure du cauchemar. Qu'est-ce que c'est ça? Non mais sérieusement. Ah oui, je veux ça. Qu'est-ce que c'est? C'est des faux? Ah ouais. Donc voilà, c'était la fin de Minecraft Donjon. Ah bon, pourquoi? C'était la fin d'histoire. Mais après il y a quoi? Parce qu'on a bien vu. Après que bah t'as les missions tu as les missions quotidiennes, tu as les DLC. Oui, je suis d'accord, mais je veux dire, là, on a vu le cristal du bâton se réparer. Oui, et ben pour savoir ce qui se passe ensuite, il faut aller dans le DLC, la jungle sinistre. Ah bon? Oui, enfin je pense, j'ai pas commencé, mais... Il est où? Tu c'est Royaume Insulaire, c'est ça? Royaume Insulaire, mais il faut acheter le DLC. Mais je l'ai. Bon, j'avais pris la Hero Edition. Par contre, alors attends. Donc là, techniquement, on a potentiellement l'accès à Jungle Sinistre, à Simurland. Non, à Raga est-il Jungle Sinistre? Quoi? Hein? Comment? Est-ce que tu as le DLC? Ta map principale. Oui. Ta map principale. Oui. Continent et Royaume Insulaire. Oui, je l'ai. Voilà. Mais alors attends, juste avant, Simurland contenu téléchargeable. C'est la question que j'essaye de poser depuis plusieurs semaines maintenant qu'on sait qu'il y a un prochain pass de Minecraft Dungeon. Ceux qui ont déjà l'aéroédition, est-ce qu'il va falloir racheter un prochain pass ou est-ce que ça sera contenu dedans? Eh ben, on verra malheureusement. C'est pas. Okay. Parce que on va poser la question sur Twitch, ils vont te répondre. Bah, j'ai déjà posé la question sur Twitter, ils m'ont jamais répondu. Et là, donc là, attention, puisque là nous sommes passés en mode aventure. Donc si nous faisons une. Ah, c'est automatique? C'est automatique. Pour le changer, il faut aller en bas à droite et me mettre en mode par défaut. Là actuellement, on est en mode aventure, donc. Attends, bon déjà, je finis mon stuff. Ça va être compliqué de faire une mission d'Halloween. Ça, je m'en fous. De 86. Ça, je gagne. Ah, mais on continue là? Je sais pas si on fait au moins un truc d'Halloween. Moi, je serais plus chaud pour arrêter maintenant, mais si on fait ouais, un truc pareil. D'Halloween, on peut arrêter maintenant. Hein. Parce que là, je vais pas dire j'en peux plus, mais je commence à fatiguer là. C'est quoi le truc d'Halloween? Je sais pas. Alors que le nombre d'animaux est défini par 2, et en fait ils ont des buffs, tous les mobs ont des buffs ou non. Oui mais là, je veux dire, c'est un... Où c'est un niveau ça. Tu cliques dessus, épreuve effrayant. T'as épreuve effrayant 1, 2 ou 3 et... C'est où?
sur la map. Tu vas sur la carte. Tu as épreuve. Tu es dans toutes les maps normalement. Tu as mission quotidienne, c'est en vert, et épreuve effrayant en violet. Et comme là, t'as l'épreuve effrayant marée bourbeux. Voilà, c'est quand même des niveaux spécifiques ou des mondes qu'on a déjà vus. C'est des mondes qu'on a déjà vus, mais avec des caractéristiques spécifiques. Ah, bon. Donc comme là, on a un meilleur butin, on a un enchantement en plus. Donc ça, vous plutôt le faire. Regardez juste sur ma map. Tac tac tac, il y a ça. J'ai une mission secrète que nous n'avons. Alors, vous voyez le bois des creepers et le marais bourbeux ? Oui. Il y a une mission secrète. À mi-chemin, j'ai une mission secrète inconnue. Oui, absolument c'est au marais pas bourbeux du tout qu'on doit la débloquer. Et il y a aussi l'endroit qu'on a vu dans la bibliothèque. La bibliothèque, ça débloque aussi la mission secrète de Palais de Haut-Bloc. Ah, c'est ça. J'avais pas vu ça. D'accord. Ah oui, donc c'était quand même un truc qu'on était censé débloquer. Enfin, on va y accéder, mais on n'a pas trouvé. D'accord. Mais je pense qu'on devait finir le jeu d'abord pour la débloquer. Bon, bien. On s'arrête là du coup pour aujourd'hui. Ouais. Et on se retrouvera plus tard, une prochaine fois, sur du Minecraft Dungeons, sur du reste, quand on pourra, quand on voudra. Voilà. Mm. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Bonne soirée, monsieur. C'est chouette comme jeu, quand même. Ouais, c'est plus fouillé que ce qu'on pourrait penser au départ, en fait. Oui. Je veux pas dire que c'est le jeu du siècle non plus, faut pas déconner, mais c'est un bon hack and slash, un hack and slash correct dans l'univers de Minecraft. Ils l'ont quand même bien amélioré par rapport au début. Hein. Entre les marchands de luxe, mystère, le forgeron, oui. Tu peux améliorer tes armes, etc. Eh bien, pensez à suivre, à vous abonner sur Twitch, à rejoindre le Discord et à nous suivre un peu partout pour être notifié des prochaines choses et des blabla qu'on peut raconter ailleurs aussi. Voilà, bisous. Bisous, bonne soirée.